quand tu as un barbecue piscine pour fêter les 71 ans de ton père et qu'il fait ce temps-là. Ah, c'est magique. Bon, moi j'y crois, je suis sûre qu'il va faire beau tout à l'heure. J'y crois. Bref, je voulais vous raconter, j'ai trop mal dormi. C'est passé un truc de ouf. Donc je dormais trop bien. Et là, d'un coup, je me réveille. Dans mon rêve, ça allait pas, Liwen, ça allait pas. Liwen n'allait pas du tout bien et tout. Et je me réveille et je regarde l'heure, bon, il était 4h et tout. Je regarde Liwen, ça va. Mais je n'arrive pas à dormir. J'arrive pas à, je peux pas me rendormir, donc j'attends 10 minutes et je me dis non, ça va pas. Et Liwen, ça va pas. Je monte. Et là, j'ai compris pourquoi Liwen, ça allait pas. Je vais la voir et tout. Et Liwen avait une couche de piscine. Donc, c'est pas moi qui lui ai fait le bain hier parce que j'étais en train de faire à manger. Il y avait tout le monde à la maison. Et donc, la personne qui l'a mis en pyjama après le bain, elle s'est trompée avec une couche de piscine. Donc, la couche de piscine, tu connais, elle n'est pas vraiment imperméable. Elle est pas... elle était toute mouillée. Elle s'était fait pipi. Enfin, elle avait du pipi, quoi. Donc, ça se voyait pas, en fait, quand tu la regardes comme ça. Mais je suis quand même montée parce que je voulais voir si elle avait de la fièvre aussi. Et en fait, non, c'est juste qu'elle était trempée de pipi, donc je l'ai lavée et tout à 4h du matin. Tout est là, hein, sa petite couche de piscine, son pyjama. Et voilà, mais pour vous dire l'instinct d'une maman, genre je me suis réveillée en me disant ma fille, ça va pas, ma fille va pas bien et tout. Et pourtant, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. J'étais choquée de me dire, mais comment j'ai pu sentir que ma fille elle est pas bien? Alors qu'elle était en haut et que moi j'étais en bas et que. Genre, qu'il n'y avait aucun signe la veille au soir quand je l'ai couchée qui n'allait pas. Genre, c'est pas, elle toussait, elle était malade, elle avait un petit fièvre. Non, tout allait bien en se couchant. Voilà, c'est la petite anecdote. Si vous aussi, ça vous arrivait des histoires comme ça, racontez-moi. Allez, bon, je vais aller commencer à préparer à manger. Quand il y a tout le monde qui vient ici à la maison à midi, ça va être chouette. Tous les jours, je me retrouve comme ça dans la cuisine. Je vais couper des oignons. C'est l'ambiance. Ah, je ne peux plus ouvrir les yeux. Je passe ma vie à cuisiner. Oh, allez, c'est reparti. Bon, je suis relativement contente. Enfin, non, pas de l'état de ma cuisine, puisque franchement, j'en ai de partout. Voilà, quand je cuisine, c'est vraiment une ambiance. Je sais pas comment je me débrouille, ça me rend fou. Voilà, j'ai tout préparé. Regardez mon frigo, il ressemble à rien. Un petit peu des saucissons, des apéricubes. Là, je suis en train de faire une salade de riz. Là, j'ai fait les olives. Là, il y a des petits corayas. Le riz pour mettre dans la salade. Là, j'ai le melon coupé. J'attends le jambon rouge. Voilà, rien que ça, c'est que pour l'anniversaire aujourd'hui. Là, je suis en train de faire une salade de tomates. J'attends la salade verte. Je vais m'occuper des poissons à mettre au barbecue. La viande arrive. Enfin, voilà. Je me débrouille plutôt bien. Je suis toujours en culotte. Alors, clairement, je suis en culotte menstruelle dans ma cuisine. Ma passion de. Je sais pas ce que j'ai. C'est ma passion d'être à moitié à poil dans cette cuisine. Toujours, je suis en maillot, en culotte menstruelle. J'adore les culottes menstruelles. Ne me demandez pas pourquoi. Je trouve ça tellement confortable. Je dors comme ça. Souvent, le trois quarts du temps, je me mets une petite culotte menstruelle et je dors comme ça. Je vais pas du tout faire de pub. Je vais pas du tout vous donner de code promo. C'est pas prévu. Du tout. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que je suis chelou. Allez, mes œufs. Et après, il faut que j'aille attaquer les valises. Putain, il est déjà 11h, je suis même pas lavée. Il faut que j'aille attaquer aussi un petit peu les valises aujourd'hui, puisque sinon, je n'aurai jamais le temps. On part dans la nuit de dimanche à lundi. Donc, et comme samedi, on n'est pas là. Enfin, je vais essayer de m'avancer aujourd'hui et m'avancer demain. Je vais essayer de faire ça. Et là, je vois que le soleil se réveille. Je le savais, j'avais confiance au temps. Regardez. Le soleil est en train de se réveiller, il sort. Le ciel est bleu. Je suis contente. Vous avez vu ma tour Eiffel? J'adore parce que quand je cuisine et tout, j'ai ma tour Eiffel, elle est juste là. Ça, c'est ma tour Eiffel, ça. Bon, je fais partie des personnes qui reçoivent et qui ont peur qu'il n'y ait jamais assez. Du coup, je fais aussi une petite poêlée de courgettes avec de l'ail et de l'huile d'olive. Voilà, au cas où. Bon, après, je fais partie des personnes qui ne gaspillent rien. Donc, tout ce qui n'est pas mangé le midi, c'est resservi le soir. Et tout ce qui n'est pas fini le soir, ben, ça part en raw custom. Si tu connais ça, c'est capable de finir en omelette de courgettes. Ou, enfin, bref. Voilà. Toujours en raw customise. Oh là là. Je suis tournée vers la vaisselle et ça m'a donné envie d'atchoumer carrément tellement qu'il y en a. Hop. Tu en veux? Et là-bas, c'est parce que comme je fais le tri. Le tri collectif, je mets tout là d'abord sur le côté, plastique et tout, et après je trie. Et lui, non, c'est un bâtard, il marque 17 ans. On va lui mettre le 7 ici, 17 ans, et après on va lui inverser rapide.
Comme ça, il va croire qu'il va être jeune. De toute façon, il n'a plus de permis, alors il est mineur, il n'a plus de permis. Tu manges quoi? Tu manges la crème du gâteau. C'est normal, ça? Ouais. Et voilà où je la retrouve, elle. Oh, je sors de la douche. Je me suis fait une douche de l'espace. Ça m'a fait tellement du bien. Je me suis lavé les cheveux et tout. Là, je vais bien m'hydrater à fond parce que j'ai quand même pas mal bien bronzé. Je suis assez contente. Bon, vous le voyez pas bien, mais pour moi, c'est beaucoup. Un bon contour des yeux. Gilor, bien sûr, la base. Vous avez à l'intérieur de l'extrait d'arbre de soie. C'est des ingrédients d'origine végétale. Ça permet de diminuer les rides, les poches sous les yeux, la fatigue, les cernes. Enfin, voilà, franchement, c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'est pas trop ridé. Enfin, qui n'a pas trop de poches, comme vous pouvez voir dans mon quotidien. Je suis assez contente. Je fais toujours très attention. Oh, quel bonheur. Bien sûr, ce sont nos produits Gilor qui sont fabriqués en France. Vous avez toute la gamme. Là, je vous parle du contour des yeux, mais vous avez toute la gamme. Crème de jour, crème de nuit, tout, tout, tout. Là, j'ai tout hydraté déjà. Et là, j'ai récupéré une crème de corps parce qu'avec l'été, je suis obligée de m'hydrater vraiment au maximum. Je prends toute la journée le soleil. On est tout le temps en vadrouille. Voilà, crème de corps hyper hydratante, nourrissante. Vous avez des huiles végétales à l'intérieur et du beurre de cacao. Et elle sent bon. Elle sent le caramel. C'est une pépite, ça. Vraiment, ça, c'est... C'est impossible de pas s'hydrater les jambes avec ça. C'est une merveille. Et qu'est-ce que ça sent bon, si vous saviez. De quoi? Bébé cadom. Moi je suis un bébé cadom? Oui. C'est toi le bébé cadom? Non, je sais pas. Si, c'est toi le bébé cadom. Bah dis donc, tu es le bébé cadom, tu n'as pas mangé. Non. Pourquoi tu n'as pas mangé? Parce que je ne veux pas. Parce que tu veux pas? Non. Donc tu es un bébé cadom? Non. C'est qui le bébé cadom? C'est tonton. Tonton? Oui. Allez, vas-y, petit Pikachu, va. Tu m'aimes? Je t'aime. Hé, hey, je t'aime. Non. Mais t'as pas mangé, c'est pas bien. T'avais pas faim? Non. Ok. Je suis là. Elle m'a rien mangé. Bon, c'est pas grave. On a fini de manger hyper tard. Mais du coup, elle me fait rire parce qu'elle me dit, mais je veux le dessert. J'ai dit, mais non, t'as pas faim pour le repas, t'as pas faim pour un dessert. Non. Et elle me dit, ok, mais t'es un bébé cadom. C'est sa nouvelle expression à Léouane, tu es un bébé cadom. Dès que tu vas pas dans son sens, les personnes en face sont des bébés cadom. Bon, sinon, la raison pour laquelle j'ai pas snappé, c'est tout simplement qu'on était à la piscine et que bah, j'ai posé mon téléphone, j'étais avec ma famille à la piscine. Je vous ai mis une petite vidéo, une petite photo, mais voilà, on a fait l'anniversaire de mon père, on était tous à table. On était quand même une tablée de 11-12, quelque chose comme ça.
Enfin, genre, on était hyper nombreux. Je pense que si tout le monde commence à avoir des femmes avec des enfants et tout, va vraiment falloir que je rachète une table de 35 personnes parce que bah, petit à petit, j'aime ça, il y a toujours de plus en plus de monde. Maintenant, les enfants sont à table avec nous. Parce que là, par exemple, on a mangé à 14h30, mais les enfants, du coup, ça allait. Alors que quand ils sont bébés, non, genre, l'heure, c'est l'heure, ils ont faim. Là, ça allait, franchement, ils ont fait l'apéro et nous et tout. Donc voilà, donc là, c'est vraiment des grandes tablées. Il y a les enfants à table, ma belle-sœur, tout le monde. Mon frère Bradley, qui est maintenant plus souvent avec nous, c'est vrai qu'avant il était beaucoup moins. Et du coup, ça fait des grandes, grandes tablées qu'on se fait. Bon, toujours la bonne franquette, vous nous connaissez. En tout cas, on s'est vraiment régalé, on a passé un bon moment. Mais du coup, bah, j'ai pas snappé parce que j'ai profité de ma famille, des 71 ans de mon papa. Et voilà, tout simplement. Et demain, on fait l'anniversaire de Tanti. Donc demain, on se déplace tout chez Tanti. Voilà, ça va être trop chouette, on va se régaler aussi. Ça va être une bonne soirée. Je me suis préparé mon petit thermo du coup avec la paille. Il est encore brûlant donc je peux pas le boire de suite. Mais j'aime trop. Donc je me suis fait celui-ci, le thé détox de chez Ohari. J'ai une super nouvelle les amis pour Ohari. Pour la toute première fois, j'ai un code promo de moins 40% sur le site www.ohari.fr. Donc profitez. C'est la première fois que je vous donne un code aussi gros. C'est la première fois qu'ils font un code promo aussi gros. C'est la dernière des magas des soldes. C'est pour ça. Enfin voilà, en tout cas, profitez. Je vous ai déjà montré mes résultats. Moi, je ne le fais pas en cure. J'ai déjà fait la cure. Je vais vous montrer le résultat de ma cure que j'ai fait pendant 15 jours, de avant-après. Incroyable. Moi, je le fais plus. Ben là, par exemple, aujourd'hui, voilà, quoi, c'est l'anniversaire de mon papa. J'ai bien mangé à la cantine. Je suis un peu ballonnée. Je me sens lourde, donc je me fais un thé. Je ne vais pas manger ce soir. J'ai fini. On est sorti de table. Il était 15h, 16h, je crois. Enfin, je ne sais même plus. Mais en tout cas, voilà, profitez. C'est une super nouvelle. Je suis trop contente de vous donner ce code promo. Et vous allez avoir des 80€ d'achat. Un petit diffuseur en tube offert. Voilà, donc c'est que des bonnes affaires, profitez. Et je vous rappelle que c'est une marque également vendue dans des points de vente. Je vous laisse aller voir les points de vente sur leur Instagram. Voilà, je vous mets les réseaux. Something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm good and tired. J'ai une petite question, les amis. Si vous avez déjà fait l'opération des yo-yo à vos enfants, j'ai l'impression qu'Eliwen se remet le doigt dans l'oreille. Alors on met bien les bouchons correctement, etc. etc. Mais je me dis que peut-être que de l'eau est rentrée ou j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, je la surveille là, mais je me suis rendu compte tout à l'heure avant de la coucher qu'elle avait le doigt dans l'oreille. Là, je viens d'aller la voir, elle avait tout à l'heure le doigt dans l'oreille. Donc, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Je vais surveiller. Mais ma question, c'est est-ce que si vraiment de l'eau est rentrée dans son oreille alors qu'elle avait les drains, qu'est-ce qui se passe? Genre, qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce qui se passe? C'est ça ma question. À surveiller.